Je suis Ophélie, j'habite à Bordeaux, j'ai 34 ans et je suis migraineuse chronique depuis 12 ans. J'ai vu un spécialiste de la migraine qui m'a prescrit un dosage bien trop élevé pour moi d'un antidépresseur et c'est à partir de là que tout a commencé et j'ai commencé à aller très très mal. On m'a un peu obligée à prendre ces médicaments aussi rapidement, sans faire de palier. Je n'avais pas le choix et on m'a pas vraiment donné le choix. Ce surdosage de médicaments a été quand même un moment clé. En fait, j'ai perdu pied. Aujourd'hui, ma vie, je suis encore sur le chemin de la reconstruction. Ça fait 3 ans que ça m'est arrivé, j'en suis encore loin d'être celle que j'étais avant. Je vis un peu au jour le jour, c'est-à-dire que le matin, je ne sais pas comment va être ma journée. Le conseil que je donnerais aux migraineux, ça serait de s'écouter. Et je crois qu'il faut vraiment tout faire pour être en accord avec nous-mêmes, puisqu'en fait, le corps est assez instinctif sur beaucoup de choses. Je crois qu'on a cet instinct un peu qui prend le dessus et je pense qu'il faut l'écouter. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.